Congolais panda. Oh, Congolais panda. Congolais panda. Azuli kanisi ya malamu puna kosepelisa Banambuka Kongo Kongo lipanda Asali libango Kongo lipanda Peninga Puna kuyeba historia Kongo Landa Kongo Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, très chers téléspectateurs de la radio Le Message des Vies, encore une fois, bonjour et merci de nous recevoir chez vous pour le compte de votre émission Point de Vie. Point de Vie, pendant 45 minutes, nous avons aujourd'hui le privilège de recevoir votre serviteur, le pasteur Cass. Ensemble avec lui, nous discuterons aujourd'hui sur ces grands thèmes qui dérangent aujourd'hui l'Église. Les rôles de l'Église, la mission de l'Église, beaucoup de fêtes aujourd'hui qui se fêtent au sein de l'Église. Est-ce que la Bible recommande cela? Bonne année, Noël, dans quelques jours, c'est la Saint-Valentin. Il va nous expliquer, profondeur, il y a Saint-Valentin, est-ce que Bissoba chrétien, Bissoba Christ, ton qui fait tes fêtes, tu vois, là, tu relobes la paix, guerre, il y a Marguédon. Est-ce que guerre, il y a Marguédon, et ça significatif pour Bissoba chrétien, est-ce que Koya, il y a un autre vivre en Golélo? Na quatre églises catholiques, Papa Nabiso Fridolin Mbongo, bâti comme remplaçant à Monseigneur Mosengo. Est-ce que Pape Azana a droit à décider si l'église à Congo, nous avons toujours le Belango? Shalom, pasteur. Shalom. Tout le plaisir est pour nous de vous recevoir encore cet après-midi à la RTMV, na Kango Lipanda, na Congo Référence, par rapport à l'argument et puis vérité aux autres Mbolanango. Bonne d'abord vision, santé église et puis santé à famille. Non, ça va dans l'église, dans l'ensemble, ça va très 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 bien. Nous avons vu comment l'église primitive s'est comportée à la 13e rue le samedi, à la réunion convoquée par le directeur de la Voix de Dieu, représentant les enfants de Frère Branham. À la fin de son message, où nous avons appris que à Jeffersonville, on est en train de rectifier les enseignements des frères Branham qui étaient publiés depuis le Canada, ce qu'on avait toujours dit. Maintenant, on est en train de revoir pour publier tout à nouveau les enseignements de William Branham corrigés. Mais il y a eu une foule nombreuse des prédicateurs du message du temps de la fin autour de moi, autour de nous, pour poser des questions. Et cela nous a montré que l'Église du Seigneur s'est toujours très bien comportée parce que nous avons observé la faim spirituelle et la soif chez les pasteurs du message qui voulaient connaître. Ça nous a pris au moins 3 heures debout de conférence. Et à la fin, ils ont demandé à ce que nous fassions une conférence ils peuvent venir participer étant assis pour apprendre. Et j'annonce que nous avons la conférence au mois prochain, le 18. On logera les gens dans cet hôtel et puis nous aurons la salle de conférence toujours là-bas. Si la présence de beaucoup se faisait connaître, alors on tiendra la conférence dans cette salle pour que chacun soit assis. Le grand thème de cette conférence, message du temps de la fin, toujours avec deux sous-questions. Ce que Barouti a fait au message en demandant au prédicateur de déchirer le septième sceau de jeté. Et puis les déclarations de Joseph Branham, parce qu'il a rejeté tous les faux frères, les faux prédicateurs qui prêchent les enseignements de cet honneur qui ne sont pas à trouver dans les Saintes Écritures. Et puis, il a continué à rejeter la polygamie que son père a largement et profondément enseignée dans mariage et divorce. C'est cet enseignement qui a fait qu'il y ait tant de séparations dans notre pays d'abord, et puis dans les pays voisins. Il y a toujours ces deux thèmes-là, le septième sceau et le septième honneur, et
le mariage et le divorce. L'égarement dans le message du temps de la fin est arrivé parce que les deux thèmes n'avaient pas été maîtrisés par les premiers prédicateurs qui avaient reçu la lettre du message, comme Mukuna, Baruti, Mbombo, Dioka et tous les autres. Les tout premiers n'avaient pas maîtrisé c'est quoi le message du temps de la fin, qu'est-ce qui est le message, qu'est-ce qu'on peut prendre, qu'est-ce qu'on ne peut pas prendre. Ils ne connaissaient pas. Alors ils ont embrouillé les gens. C'est d'ailleurs le thème qui devait être développé aujourd'hui chez Africa Télévision. Mais malheureusement, vous avez raté l'émission, on parlera de ça. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tant qu'on s'est présenté dans la chaîne de télévision, mon sous ma propriétaire, ma visionnaire de la chaîne de télévision, on a ma boya, bayambayo, et ça pour la vérité, tous aucun des contre-doctrines dans la banque. Tous les gens par rapport aux émissions de l'eau. Émission en direct, tous les gens radio, télé, message de vie, pour que l'on a bien open internet, pour que l'on a bien open radio, pendant 45 minutes, tous les gens ont invité ma question. Ah, tu es ma maman, c'est quitté. Tu es ma cambo et tali évangile, tu es ma cambo et tali mboka. Parce que ça sera beaucoup plus moto à l'obaka, le côté à l'ifalansa. Mais tu relis appel et l'obapé, moi l'ingala, pour te comprendre, il est vraiment, vraiment très bien par rapport à ma question. Tu n'es belé. Ce que vous remarquez, que tu es l'inga, que tu n'as par semaine une fois, c'est parce que ma loba à l'oba, ils ont tika langue d'actualité. Donc, au coûté un abisso, les émissions sont en direct. Ce pour coûté un abisso, mes crédits, émissions sont en direct. Rien ne change, rien ne perd, parce que évangile est à Kara, n'est pas comme. Docteur Pasteur Kass, tu as qui, dans le mois de décembre, de tourner une émission, une grande émission avec vous, beaucoup de confrères ont appelé, que Noël, n'a pas une année, un chrétien, tu as qui fêter en côté. Dans quelques heures, République démocratique du Congo, monde entier, va célébrer Saint-Valentin. Est-ce que vous pouvez expliquer d'abord, c'est quoi d'abord fête à Saint-Valentin? Est-ce que nous, les chrétiens, nous sommes obligés de fêter cette fête à Saint-Valentin? La fête, c'est-à-dire, Miloulou, Nyonso, Oyo, Epimi, Nanzelaya, Église catholique, Ezali, Miloulou, Ya, Satana. Ezali milulu eye banite na liloba na Nzambe. Na Lévitique chapitre 13:7, Kolo ye moko apesi liste ya milulu oyo eklesia na ye, bato na ye, bakoki kosala na tango yango ye apesaki yango. Na Lévitique chapitre 23. Milulu oyo mususu ba catholique ba bakisi ezali milulu ya ba pagano ya ba romain oyo ezalaka na bango tango molayi. Par exemple oyo balobi ya Saint Valentin origine nango nani, oui na ibi origine nango te, oui wana ezali makambo ya ba catholique nakoki koyekola yango te ata mukete lokuta ezali makambo ya lokuta. Donc ezo tala d'après Bangomoko, Ezali Kotala, Dengue Sangomoko, Azali Kikobali Sabato. Mais Libala Oyeoutina Bassang, Ezaka Kamabe, Kolona Natikala Kolobate, Bofete, Likambo et Ali. Moussantu Nabango, Valentin. Et pas les catholiques, Bassantu Bazalakate. Pape Moko, Nano Atikala Kozala Moussantu Te. Bandi mi pe ya ba catholique tilelo bayebi ke bazali ba santuté parce que d'après doctrine na bango ya lokuta oza la musante esengeli nde papa ayako santisa yo ayako tala soki bomoi na yo ezalaki ndenge nini makambo nyonso kaka ya ba catholique ezali mensonge. Donc, likambo n'est-elle pas Christ, moto ya zali na Saint. Donc les chrétiens bazar recommandé ou fêter fête à Saint Valentin. Il faut là ta rouge noire. Et ça la Noël. Oui. Et ça la Noël et ben en colote. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport d'abord à fête à Noël puis à Saint Valentin? Qu'est-ce que la Bible? Yo tanga la Bible. Bible et lobby et le comment côté. De Genèse à l'Apocalypse. Pour la Noël. De Genèse à l'Apocalypse. Oui. Ce qui tozali kota la na liste wana ya milulu. Yankolo, oye sengeli ko celebre na batango na yango, ezo banda na Pasque. Pasque zali mbotama ya Jésus-Christ, c'était la Pâque. Liwa, Pâque, Pasque. Oui. Pasque. Ezali liwa yankolo. Yangonde eleki na motuya, ebandi na Pâque, yangonde Israël, azaki ko fete,
Kuti mokolo Yeshua awaka ezalaki mokolo oyo ekomamaki na Bible déjà na Lévitique 23. Le 14e jour du premier mois qui n'est pas le mois de janvier. Et puis entre les deux soirs, kakanangonga wana nde prophétie wana ya monene ekokisamaka. Esili. Lokola Yeshua akufaki prophétie ekokisamaki ikambwana esili esili esili. Okokuta fête mon côté ya mbotama na ye. Ezalite. Mais tant que y'a botama qui va ange, ba yaki kolobana ba berger, ba kende kota la moana. Date wana yébanite. Tant que Myriam na Yosef ba kendaka, na Nazareth, ou bien na Bethlehem, parce que Myriam a zwa ki zemi na Nazareth, mais na Bethlehem, na engomba ya David, tata ya Yeshua, nde sika ba kende ki a botama ki kona. Même mon colonne est banité. Ben colonna no atikala kolobate bofete ya. Ye mokoza la anniversaire na ezala kit. Na mikolo. Lorsque Jésus était sur la terre, mikolo nyonso asali na mabele awati mokoli aliwana ye. Anniversaire na etikala ki. O sale mate ezala ye mokoza la église primitive rien. Donc makambo nyonso wana ezali oyo babakisi na ba antichrist. Antichrist a sakola maki na mokanda ya emonise. Na mokanda nini? Apocalypse. Oui. Chapitre 6. Banda premier verset ti na verset 8e. Bazolo bakaka na nyama wana amemi mutu moko na moko. Mutu wana nde antichrist, adversaire ya Christ. Ayaki na église ya lokuta ya église primitive ya lokuta oye bandaki na Rome ya ba politicien. Yende abandai kokoti sa makambwana ti akoti seliba ya ba prêtre ya kala bazaki na basi bazaki pe na ba polygame wana ba nini wana na ba nini ane 1100 de ba batie mon beko wana ya koboya libale ya ba prêtre. Très bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'espère que le pasteur Cass nous répond avec son cœur. Donc toujours tout n'est pas question oyo binona nubo tout n'a qui biso par rapport à l'émission oyo le qui à répondre biso lobby. Nous les chrétiens, nous ne sommes pas obligés à refêter fête à Noël et puis à bonne année, surtout fête à Saint-Valentin. L'élan jeunesse n'a biso à République démocratique du Congo le 14 février nyonso bah comment relate ta rouge noire au monde bah jeune garçon bah jeune fille bah zobi mana balabala bah quelle fête des amoureux. Est-ce que la fête des amoureux existe, pasteur? Jamais. Jamais. Le Seigneur yemoko oya sala ki mwasi bona mobali. Na matika lo kolobate ke fête moko ezala ya bato yo balingami ezalite ezala kapete nyonso wana ezali kondimate. Ezali makambo ya ba idolatrie e utinde na ba catéchisme. Omoni oyo ezali mukanda ya ba catholique babakisi na Bible. Catéchisme. Ba catholique nde makambalanda ezali makambo ya basango ya qu'est-ce qui est de bon à tirer dans quatre livres et là comme côté parce que nous sommes ezali contre bandana ilagisi na bango ya trinité ezali antichrist tina baptême antichrist purgatoire antichrist nyonso antichrist ba pape antichrist ba prêtre antichrist nyonso messe antichrist nyonso communion on a besoin kalipa hostie biscuit antichrist. Ba chrétien et ba catholique, ba mela ka vinyote, mais Jésus a le baki, moutounyonso, amela yam. Moutounyonso, pour partager, bino banso koupo yo, nga moko na pesi bino et ton séminage. Mais dans l'église catholique, on prend que le na corps, le vin, ba membre ba zorangote. Ça li pe korte. Yangon Martin Luther a boyaki catholicisme na makamounyonso, a bandi bitumba na papa le bi. Osti wan na biscuit wan et sali soto ya Christ. Te! Et ça, nous autres, Christ, c'était, allez, à quoi qu'il y en a ça. Très bien. Tout compte directement dans le thème. Qui était vraiment le prophète William Branham? Et selon vous, est-ce que, selon la vision sur le plan spirituel, il y a prophète William Branham et puis il y a Martin Luther King? Est-ce que comment nous avons sur le plan spirituel le Kokani? Ta vision nous avons sur le plan spirituel le Kokani? Lite nous avons alors. Branham a zalaki Mosakoli. Prophète. Mon nene, mon coca, pour n'attendre la soupe.
pona babaya biso mokili mobimba longola bayuda pona mokili mobimba programme ya nzambe etikalaki etikalaki ezalaki po esuka na uyambana yende messager ya suka na apocalypse 3 verset 14 ziki tozongi na bisakoli mokanda ya Yoel chapitre ya mibale pendant verset 25 na kozongi selabino mipunyonso oyo banyama ya mabe ba catholique ba protestant ba méthodiste na ba pentecôtiste ba silaki kolia kuyiba kolongola na tango ya suka ngai kolo na kozongi selabino bambula nyonso wana kokisami na ministère ya William Marion Branham. Bible mobimba efungomaki banda Genèse et Apocalypse na pesa bino mystère mibale ya minene na Genèse aye kozongi selabiso likambo e babengi lisumu oyo ya kala kala oyo salamaki oyo bazolo benga badiaki mbuma ba oyo ba mususu ba ebi komo na iya lubi te salaki e kopo abimisi revelation ya mystère wana lubi nyoka wana ya kala kala botana azalaki koloba akokanaki na Adam mais azalaki nde nyama nyama oyo azalaki entre mobali Adam na chimpanzé mayo moko oyo ba scientiste balukaka bayibi yango te ezalaki nyoka mais asilaka kozala maudit yango na forme na ye ezalaki changer alors ezalaki lipomba yende asololaki na Eve aleisi mbuma yango stadi nini apesaki ezemi obabota nani Kaïn azalaka mwana ya nyoka mwana ya Kaïn c'est le fils du serpent. Caïn, c'est le fils biologique du serpent. Vous confirmez cela sur le plan biblique? Oui. Sur le plan biblique. Mais oui. Oui. Sauf que autant il y a la généalogie, il y a Jésus-Christ. Autant il y a la généalogie, la Bible, la Chronique. Autant il y a Jude. Mais à côté de Caïn, pour l'année, Bazalaki, Lingomba, ya solo, ya zambe, Bazalaki, na révélation de Kola, Nazanangwa. C'est pour ça que Elohim est mon à maudire Tata ya Caïn. Elle a dit Caïn paix. A maudire, tala kaine ndengaza ko manque respect na Elohim tango azotu na ye wapi ndeko na ye aselaki ko boma ye a bombi milimu wana ya batu baboma kalelo ko boma ko bomba ko boma ko empoisonner e uti deja na nyoka mwana na ye Kaine. Le Seigneur a dit dans Jean chapitre 8 monsala na ye diable kaka ko boma. Dans Jean 10 à le Bénin, pas faux berger, on a pas de mercenaires, pas de voleurs, pas de kakapona, koboma, koibambongo, kokima. Il y a un serpent, c'est là qui. Il y a un koboma, moi c'est un bateau, à Kossiye, il y a le Banaza, Bassali, il y a une guerre, à Bakissi, à Longoli. Kobakissa, le catéchisme de l'église catholique. Et ça, koboma. Frère Banam, le Bénin, pas bon, mais pas de mingi, mais n'a molimo, zambende à Ibi nombre. Donc Martin Luther King ya zalaki soki baptiste soki protestant asalaki na molongo ya Branham te zalaki mutu kosalaka makamuka zalaki ka predicateur denga bomisa ki bato na États-Unis epele. Très bien, aujourd'hui aussi bato bazo continue au coup pour la République démocratique du Congo via le marche au baye salamalelo. Est-ce qu'il y a une différence entre le pouvoir spirituel et le pouvoir politique qui domine aujourd'hui entre le pouvoir spirituel et le pouvoir politique? Même dans le Nakat, il y a époque à Kala. Pouvoir spirituel, n'a pouvoir politique. Prophète, oui. Nazako Sengayo, Osalanini, promotion, il y a 7 sauts. Kolo Yeshua, Jésus-Christ. Mais 7 sauts, en gros, le peuple comme il contredit, papa. Yoka, oui. A dévoilé premier saut, deuxième, troisième, quatrième, à l'église, ça Satan. Et ça Satan, il y a mon grand personne. A Kei Nanzele à l'église. A Zui église, il y a l'Okuta. Il y a Ba Romain. Bandana 325, Ba couronné le pape. Pape et Aliboso, il y a Ba catholique, à Constantin le Grand. Moi, je suis comme un Mukanda. Bangonde, Ba Bandaki. Donc vous prenez le temps, il y a aussi Ba Dekouya. Il y a aussi Ba lecture. Il y a aussi Ba vérité. Pour la peuple, il y a Aliyamana.
Ma pape, dans la photo, on a parlé de ma qui est un vrai protestant. 68 millions. Donc, tant que Komaki, à la fois chef na politique, chef na lingomba na yo babengi forcément l'église catholique, à ce que mon kinyon so, mon kinyon so, mon kinyon so, à ce diriger pouvoir civil, à ce diriger pouvoir spirituel, y a l'okuta. Si quoi guerre na yé, et ça la qui, ba chrétien y a solo, ba émergé de. Ma kambo ba solo, ba yé banate. T'as pas les armes à kambo. 68 millions y a pas vrai croyant. Babomi bango na ba catholique oyo ba pape ebanite bazo bomba yango mais ce qui peut plaire bi yango ba côté ka mouvement wana parce que nzamba ko sambisa ba catholique même vous aussi vous serez à ko sambisa même vous aussi pape nyonso même vous aussi ba prêtre nyonso ba pasteur nyonso ya ba protestant ba to nyonso bazali ko bundisa mais ça dia bible mokanda oyo. Donc Martin Luther, le prof, pardon, le messager, il y a qu'à confondre Martin Luther King. Oui. Martin Luther King, c'est qui américain. Oui. Mais Martin Luther, tout court allemand, il y a un des cinquièmes messagers au Jean-Baptiste qui pour l'église. Il y a celui qui guérit, il n'a pas pour eux. Merci pour l'éclaircissement. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'ère de la vérité est arrivée pour que l'église du Congo comprenne qui fait quoi, qui joue aujourd'hui quel rôle au sein de l'église, à travers les réponses ou les questions que nous sommes en train de poser dans notre émission par rapport à notre invité. Nous avons le privilège d'Oyamba Lelo, pasteur Kass. C'est l'homme de la vérité. Aujourd'hui, il parle que la vérité. Beaucoup des appels. Nous avons l'habitude d'y aller pour contredire la vérité à Mouboum Nanzambéroyo. Tout ce que pasteur rebelle, il dit qu'il est dans le faux, mais lui, il continue toujours à dire qu'il est dans le vrai. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vrai n'a faux, tout coup dans mon akati église? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que la politique marche ensemble avec la politique et la politique marche ensemble avec l'église? Qui dirige le monde aujourd'hui entre l'église et la politique, pasteur Kass? Oh, Lélo. Oui. Na kolandisa na révélation ya Jésus-Christ na premier son deuxième troisième quatrième Satan de za ko diriger monde entier. Et c'est la religion. Religion. Oui. Mais ba Satan va vous Satan diriger bino dernier aussi longtemps bino ba vrai serviteur de Dieu bon akati. Té biso za na religion. Satan zali mon conseil à religion na yé romaine. Satan zali chef yo d'ailleurs. Oyo oyo. Pap. Pape, on est diriger mon kimon. Pape, oh, pape. Mais c'est le Saint-Père. Il a dit Saint-Père, il a démon. Il y a un des gens qui dirigent mon kimon. Il y a la magie. Il y a la nyonso. Il y a un des. C'est quoi le prophétie, ça qu'on précise dans le quatrième son. Tant que l'église, il y a solo. Il faut que ça la différence entre l'église primitive, où il y a un colo, et Bandagi dans Jérusalem, où il y a la Bible, et comment qui Bible. Na religion il y a bas romain et bandit na Rome. Il y a encore bas sur votre salut église catholique romaine. Bas salut église. Bas le but bas oui combo église pour la séduire. Au moment tango le serpent il y a qui pour azimbi ça a séduit rêve. Aïe nazaré mon souste. Azui li loba nazaré. A bongoli yango a tié poison toute maladie la mort la politique a conseillé. Et va aller. Donc, religion est allée, religion. Religion musulmane est allée, religion protestante est allée, le bouddhisme est allée, est allée. La RDC, c'est un état laïque. Bakimbangiste, bas allée. Oui, oui. Si quand une église est allée, na libanda ya nyon soana. Église est kokota na makamba politique. Et koko kende kosa la prostitution te na ba politicien. Église est au benga batukutu batika politique. Le lot, acteur politique, Moko Amounen et Nambo Kanabiso, à l'objet de travailler ensemble dans l'église catholique. L'église catholique, ils ont fait ça dans l'espace, ils ont fait ça dans les combattants. Donc, ils ont travaillé à 50%. Oui. À cause de parce que. Il ne marche pas. L'église aussi a un rôle à jouer. Est-ce que le rôle de l'église catholique est aussi les amabé pour nous? Oui, les amabé parce qu'il y a un rôle pour à part le bateau, il y a un maki, il y a un pona mandouki. L'église catholique, il y a un rôle pour nous. Il est temps de voir pouvoir religieuse pour nous en Europe. C'était fini. C'était Satan sur la terre. Bah chrétien, bah pour moi, bah pour faire. Bango moko bango mina martyrologie à bango. Tobomi 68 millions.
y a des protestants. Pour la Colombie, autant la vivre. Surtout en France. Nous, c'est-à-dire. Branham Mosakoli a le but, Botanga Yango, Botanga, Ranazu Yango, na Côte d'Ivoire. Yango, bah, oui, bozo, manabazo, bazo, bon, ma bateau, yona, na kouwa, na ekolus, tous, ma bab, yewana. Moukona Bango, Azali, na kombo ya Saint-Augustin, Dipon, ce qui a zagi na France. Alubiki, Zambe, alubinangaï, ke zali malamu, popo, ma physiquement, ba protestant, yons. Alors, les catholiques ont brûlé la ville entière. Ils ont brûlé le village entier. Donc, ça, l'église est la quatrième saut. Dans l'église, il y a un commandant. Satan a quitté. À côté du dernier pape, ce qui est François, à côté de la quatrième, il y a un échange. Merci, pasteur. Autant qu'il y a la Bible, la verset à propos de l'Apocalypse 6, oui. Pendant le verset 8, quatrième saut. Donc, on peut essayer épée. Il y a une épée dans le deuxième saut. Tant que vous qui épée ou na makila ya ba Christo, abomi bango kopoba. Liboso ya ko s'implanter. Liboso comme église oyo ba banga. Vous comment la bazo banga? Bazo banga te bazo ze ken na balabala pona ni. Bazo kani ba yibike bango nde ba kozi. Ya mokil mobi. Awa na conférence nationale souveraine nane ba tiaki na moto. Cardinal. Kuna na Brazzaville nane sa ki na moto. Cardinal, hein? Tant que tu as une élection, tu as dévoilé Bango. Banani as dit que tu as payé sa batte, tu as dit que tu as une élection. Batte na Bango! Donc, il faut que ça ait la différence entre Bango et Bangi Miasol. Mondi Miasol, tu as dit que tu as une parce qu'il y a une. Mais nani le tu as une Mondi Miasol? Nani tu as une. Oui. Église Mondi. Mais au bout d'une émission d'Afrique TV, tu as une élection. Pour la doctrine, il y a un directeur. Oui. Il y a une chaîne à le week-end. Pasteur Castago, vous l'avez dit. Parce que nous avons une doctrine, il y a une doctrine. Et ça, c'est un Canada. Merci, Pasteur Cast. Expliquez-nous un peu la guerre d'Amargedon. Est-ce que nous, les chrétiens du Congo, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre la guerre d'Amargedon? Jamais. Hier, il y a. Armageddon et Kozala Pona. Batonyo se amokili, basangani na ONU, ONU, Organisation des Nations Unies, et à la ba Éthiopien, et à la ba Égyptien, surtout ba Arabe. Namoutou na bango, Russie nde à Kozala Kuna. Ce qui botangi angona, Ézéchiel le prophète, chapitre 38, 39, Koloye Moko lebi. Yo, Fumouya, non, na Russie. Na côté à Yozala, mon conseil. Il y a Barab, les Libyens, na kotambu isayo ti na mboka nangai. Donc Israël est allé mboka ça. Tango lipota nangai ba kofanda kimia na banda kona bango. Yo kolongo epai na yo mosika, c'est quel 38. Oko kende kuna po ozinga bango, aussi isa bango. Kola le bibo. Mokolo wana na zolo nangai kanda e komatanga. Pena komitali sandengi na zai komitali sana tangu ya Saint-Estan. Na kopoma yo kuna na Armageddon. Armageddon ili nizana Hebreu. Eli veut dire Eli koloba vale ngana ye na foto na yango ezai panangai. Vale ya Megiddo. Kuna li kolon de place Shlomo asala ki na arme na ye, ba char na ye, ba chevaux na ye. Na li kolo ce que fait na likolo wana ozo okokomo na mboka mobimba ya Israël ce qui moyin azoya sentinelle oza kuna likolo akomona ye ko signaler da donc ezali ba ici biso ke moni ba place nde place guerre ya suka e ko sa Megiddo e ko za na Megiddo a Megiddo e likolo ba vale ya Megiddo nde place ezali plus fertile très fertile donc ezali convoité la puissance comme le Congo aujourd'hui Israël mais comme le Congo aujourd'hui le Congo aujourd'hui est convoité par les grandes puissances voilà pourquoi oui bah côté que personne qui m'y était alors que faire aujourd'hui vous les hommes de Dieu faut tout remettre entre les mains du Seigneur comment en priant remettez le tout entre les mains du Seigneur le Seigneur lui-même tant que vous savez que le banabana naïe à Israël église primitive dans le vie
tango par Romé Bako. Parce que les Cambodges ont dit Rome, Rome de Satan. Dans la Bible, Satan, c'est l'idée de Rome. Il y a clairement dans l'Apocalypse 17, et c'est quand il y a Vandi, ville, il y a Vatican. Vatican des Alliés est tombé dans cette colline. Comme on a bango, prochainement, on a coupé ça. Vatican. Donc, chef, on a un de Satan. Alors, si Koyo, Batouago Sangana, pour pas qu'il y ait de la guerre, na Israël, de Kuna Souka, et à l'Abissoté. Pour n'a un beau cannabis, na Zolo Bana Lingala. Lingala, il y a Koyo Kana partout. Pour messager les capés à Malonga. Pour les capter directement. Oui. Tous à la cime à Israël. Tout le long de l'organisation, il y a un bateau qui est contre Israël. Parce que vous allez contre Israël, vous allez maudit. Vous allez pour Israël, vous allez béni. Tant que vous avez dit, entre un ami et quoi encore? Un frère. Un frère, le choix est clair. Aponi Barab. Problème, la vie, c'est bandit. Donc, vous allez très nécessaire, tout le cas, bateau, yobazo, boudissé Israël. Parce que ce qui est kaka, namakani sinayo, namisala nayo, vous allez contre Israël, quatre femmes, serviteurs naïe, vous êtes déjà maudit. Ce qui est au pambole Israël, pambole mi. Panande, il y a un zambele. Alors, bisoto ko se limite nako, zambela. Alors, n'a rien à le baguetango, Jésus-Christ Yeshua Yemoko, azako kebisa batunaye, barome bakoya. Pour basal et bino bitumba, bako ravager moka, bako salaboy, bako salaboy, à l'obéan clairement, à l'obéan, bossambéna, à l'obéan, à l'obéan, à l'obéan, à l'obéan, bossambéna, pour bokima, bokima n'a bino, ils allaient en hiver, ils allaient en mokol ya Shabbat, parce qu'en hiver, beaucoup les alimboka ya bangomba, ya ba vallée. Boko kende dengeni na komata boko kitande ye mokonzambe azolo bana peuple na ye tango ba soda ya barome bakoya na chef na bango wana bango bakoya po basale bino guerre bakoya pe bakoya sengere bay bayake na mokole ya shabbat moye boki ma boko na temple ko zalate parce que za fermé peut-être na banda ku mingi hein et za fermé ye mokole ba yimosambe. Mais à la qui sait qui me sont dingue ni à consambé. Pour ça, la te pobamo na yo, ce qui on dit qu'on senga quelque chose. Na tata, c'est-à-dire nangaï, tant qu'on a consalé. Kota na chambre na yo, et l'inko le chambre à coucher. Tanga peu porte. Aujourd'hui, nous prions à ciel ouvert, nous crions d'abord. C'est secret. Oui. Tata na yo à Sakuna, à Koyokayo, à Kopé sa réponse. Voilà, oh, y'a sengeli koye bisaba. Il faut tout s'amener. Comment prier? Solo na bosso. Comment prier, pasteur? Koye ben bosso solo. Yo za na catholique, yo s'amener, yo s'amener. Yo s'amener Satan. Mais yo za une église primitive. Yo za pas mon maté. Yo za pas s'amener ngani. Yo za na mission, yo s'amener. Yo za une église primitive, bazo pas mon maté. Peuple za na quatre églises, yo souffrir. Oui. Pas pambomi. D'abord baza na isengo, baza na vie éternelle, pardon des péchés ali. Pepo na bozui, mingi ba pamba maki ba koma ki ba directeur. Mais vous êtes ça. Merci. Merci. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chers téléspectateurs de la radio et le message de vie, les règles de la zone, nous sommes encore avec combien de minutes, Michel? Merci. Avec ces 10 minutes qui nous restent, on va maintenant parler sur le message du temps de la fin. Qu'est-ce que nous devons comprendre aujourd'hui que nous sommes arrivés au temps de la fin? Comment nos prédicateurs, bah, qui côté le lobby sur le peuple de Dieu, tout le monde a droit à chemin. J'espère que pasteur Kassazol Baka Magambo Italie, Église Lelo, n'a vérité ni ensemble. Il ne donne pas des millions. Oh non, qu'il n'a pas pasteur Kassazol. C'est d'abord la vérité. Il y a pas la vérité, oye. Nous en avons pas la vérité. Pasteur Kass. Mon frère. Le message du temps de la fin. Ouais. Source dans où tu vois, qu'est-ce que le peuple de Dieu, bah, qui comprendre que Lelo est comme le temps de la fin, qu'est-ce que. Nous devons attirer le quatrième message, il y a temps de la fin, aux médias, aux radio, pour expliquer au peuple. Message, il y a temps de la fin. Et c'est ce pour le frère Casté. Et c'est pour le Mokini Mobimba. Pour le Kébisabatouke.
rien qu'à travers les événements qui se passent dans le monde. Sachez que Tokomi Nasuka. Et le Romongo est au de le prophète Branham Alvagenema. Bino Sikoye, Bokima, Bokende Kobata Manali, Lobayan, Kolo Yeshua, Hamashia. Parce que Liboso, guerre mondiale. Oyo, guerre mondiale, n'est aucun de Kosuka Narmageddon. Guerre mondiale est Kobata. Donc, guerre mondiale est Kozala. Et Kozala. Solingato Boyango est Kozala. Kasi Souka est Kokomandé. Guerre mondiale, il faut Ezala, c'est-à-dire. Barus, dingue Nkolo Alagisina Mosaiko Libranam, Bako bombarder Liboso, États-Unis. Gagne na yebi que États-Unis wana, ils allaient bokamounen et qu'on allait soutenir. Et qu'on allait effacer la carte géographique. Selon le plan prophétique à William Branham. Selon Jésus-Christ. Amérique. Pendant une parce qu'Amérique est équipée en Boka Yazambe, bâti 15 là, bâti catholique, bâti côté Libango, bâti Zui Bango, bâti comme une Boka Moko Yamabe, bâti Bazo Tambole Bilambe Zate, bâti comme un Bilo Konanzoto, démocratie na Bango et Mimbango Moussika, bâti comme une Kodomine Nami Bali, bâti comme une Lata Bakoupe Boye, n'Amérique. Boka Yazale qui a bâti centre, Oyo Baki Maki bâti catholique, européen et bâti romain. Donc, il dit, il y a guerre. Première étape, Amérique. Deuxième étape, destruction totale, il y a Rome. Pour le Vatican. On est comme un Bible. Apocalypse 17. Pas côté qu'à Rome, pour l'Umbu. Surtout au Vatican. Siège, il n'y a pas, parce qu'on allait brûler. Apocalypse 17. Pas pour un abattu, bazo, banga, bazago, yo. Mais il y a des adversaires, il y a encore le Yeshua. Ils allaient. Et ça lié, na ikoti na ye, ikoti na bangoyo, comment mi bon. Na ikoti, oy. Na liboso. Ah. Vicarius Filidei, na monoko moko ya pamba pamba latin. Et l'incolo ba, yenda za remplaçant à Jésus-Christ. Ye oya koko remplacer Jésus-Christ na ni. Ayi ata komo ya zambete, ayi bindinga ko sambela te, aza convertite, na no confesse te, aza baptisé pété, le kola aza wana pak. Donc yenda adversaire. Alors, attaque à Mibale à Rome pour viser le Vatican. Apocalypse 16, elle le dit clairement. Tant attaque on est au Salema, tremblement de terre, il y a un Salema, paix la grande ville. Rome, il est divisé en trois parties. On a un Apocalypse. C'est qu'au chapitre 17, il y a le Bible. Liboso jugement, il y a un catholique, il y a un Vatican, il y a un pape, il y a un prêtre. Boye bake bakozala grandement jugé par le Seigneur lui-même. Peuple ensemble wasakuna abima. C'est ça le message du temps de la fin. Sortez du milieu tel. Elle ou anezako remplacé la grande prostituée. Oyazako se prostituée na moyi na ba politicien na ba militaire. Merci. Ce qui lelo. 18 verset 4. Naibige yo linga politique te dotken na 5 minutes. Ce qui lelo ba tie yo conseiller ya ba yimbo ko opposition. Ton conseiller et président de la République. Oui. Ceux qui ont comme bien pemben par rapport il y a un homme de Dieu tout le monde le pemben il y a un homme politique nabiso par rapport parce que tout autour il y a chef de l'État, il y a des hommes de Dieu. Tout autour il y a des politiciens, il y a des hommes de Dieu. Si aujourd'hui pasteur Kass il est sollicité, il y a la conseiller et chef de l'État, ton conseiller et président en rassemblement. Au co conseiller bango nini pour peuple congolais vanda kimia. Na co conseiller bango ngena na solo. Et le koya liposo, il faut qu'on se distance de l'église catholique. Qu'on se distance de la démon, pour qu'il y ait un malheur. Comme on dit, il y a un malheur. Il y a un malheur. Il y a une malédiction. Il y a un catholique. Il y a un malheur. Le Congo est sous malédiction. Mais oui. Il y a un malheur. Il dirigé l'église et tout ça. Il y a une influence, mon aîné. Oui, on a quitté que papa a consacré le bon délit, ce qui est 23. Ma bon délit est 23. Et ça, c'est ça. Et ça, pour nous accommoder, quoi, tirer colère et ensemble, colère. Qu'on se distance de la catholique d'abord. Et quand même, la Bible, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Mais ne participez pas le peuple à ses péchés. Le peuple congolais, surtout il y a une opposition, il y a marche l'église catholique, il y a une majorité présidentielle. Il y a une politique. Oui. Et ça la majorité présidentielle. Oui. Et ça la opposition. Oui, bienvenue. Bato yo baye, par exemple, histoire Yamouké.
Nambokanabis. Tant que les catholiques sont allés à la tête de la conférence nationale souveraine. Mais, ma frère, c'est le bac. Un conseiller. Et puis je suis un conseiller d'orientation, de formation. Moi j'ai le diplôme en tant que conseiller d'orientation, formé ici à l'université de l'IPN. Un étudiant brillant, j'ai eu le diplôme. J'ai confondu les professeurs ici. Conseiller quelqu'un, ce n'est pas commencer à faire la police, c'est l'éclairer. Quand je parle ici, je donne les conseils divins. Celui qui veut ça, il prend, il vivra. Je donne toujours l'exemple de mon oncle. Moi, ici à Kinshasa, je vivais dans la maison de sa mère. Le premier président de la Conférence nationale souveraine, Isaac Kalonji. Mon frère là qui prêche avec moi, il s'appelle aussi Kalonji. Hein? Mais quand j'ai vu dans la population qu'on ne l'aimait pas, alors que c'est un type de bien, on ne l'aimait pas. On ne voulait pas comprendre ce qu'il disait. Les pillages ont commencé. Premier pillage, deuxième pillage. Lui-même, il a eu peur. Il a dit à ses enfants, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que tout ceci se fait à cause de moi? Son enfant, mon ami, mon frère, il est venu me dire, fréquence. Voilà ce que papa dit, qu'est-ce qu'on peut lui donner comme conseil? Moi, j'ai dit, dis-lui qu'il démissionne. Lui aussi, ça a touché, j'ai vu. Ça l'a touché. Mais comme il m'écoute, il est allé dire à son père. Et il écoutait son père. Pardon, son père l'écoutait, il savait qu'il était pasteur. Il a dit à son père, papa, il faut seulement démissionner. Son père a démissionné. Il a démissionné, il était libre, il a eu le temps d'aller se reposer en Afrique du Sud. Son frère, son fils là, travaillait pour lui, lui amenait l'argent, travaillait pour lui. Il était un homme très intelligent. Et il est mort, vous l'avez pleuré ici, ici au Palais du Peuple, il n'y a pas 2 ans. Il est mort là, on l'a amené le cadavre de l'Afrique du Sud ici. 90 ans. S'il n'avait pas écouté mon conseil, il n'allait pas atteindre cet âge. Très bien. Il est mort ici, pas de maladie, pas de quoi, non. De vieillesse. La vieillesse seulement l'a pris. Merci. Nous sommes arrivés à la fin. C'était le pasteur Kass, l'homme de la vérité. Bonjour, c'est pour l'émission. Bonjour, c'est pour l'émission. On a RTNT, on a RTG, ça nécessite des moyens. Vous avez besoin de soutenir cette émission. C'est votre mission parce que vous avez besoin de soutenir cette émission. Vous avez besoin numéro 089 00 60 149. Le point de vie, c'est votre point de vie. Point de vie, c'est l'église au milieu du village. Donc, on attend au moins la bise site internet, il y a pas que ça point de vie. Sur mon émission na RTV, il y a pas que ça point de vie. Toujours le capteur qui n'a pas chaîne aminée, toi quand t'as un bouquet international, parce que grandeur il y a mission, grandeur il y a visibilité et comme il collait. Nous sommes arrivés à la fin. C'était un plaisir pour nous de vous présenter cette émission Point de vie. Nous remercions l'équipe technique, nous remercions Michel Mukendi, nous remercions notre directeur Trésor Yala, Boris Nawej. Un mot de la fin pour clôturer l'émission. Le mot de la fin, c'est le message divin qui vous appelle par le nom de Yeshua depuis le ciel. Apocalypse 17 et 18, 2 Corinthiens chapitre 6, depuis le verset 14. Sortez du milieu des incrédules. Devenez chrétien comme moi. Que votre royaume ne soit pas le royaume terrestre. Le Seigneur a dit clairement, Jean 18, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Et vous vivrez bien. Soyez dans le Seigneur, entrez par la porte, soyez baptisés, confessez les péchés. Au lieu de vous repentir, de confesser vos péchés que vous commettez jusque-là pour recevoir le pardon, vous vous luttez pour des choses de la terre qui passeront. La Bible dit dans Colossiens 3, recherchez les choses d'en haut, qui sont éternelles, et non celles qui sont d'en bas. Naissez de nouveau. Quelqu'un qui est né de nouveau, vous ne le verrez pas en train de combattre pour les choses de la terre. Merci. Il est tourné vers le ciel. Et ça, c'est le message du temps de la vie. Est-ce que Zamabé, toi aussi, attends la question, n'est-ce que la démocratie est à côté de l'église, Zamabé? Mais ce qui est démocratie à côté de l'église, c'est la politique, c'est bien. Merci. C'était un plaisir pour nous de vous présenter cette émission Point de vie. Restez scotchés, cimentés par rapport au programme de la radio Télé Message de vie. Ciao. Congo Lipanda. Oh, Congo Lipanda. Congo Lipanda. Ah.
bana mbuka Congo. Jimmy Achuki azili kanisi ya malamu pona kosepelisa bana mbuka Congo. Asalili bango Congo lipanda ninga pona kuyeba historia ya Congo landa Congo.